Radio Sexuelle, bonjour. On va écouter maintenant un extrait de Victor Hugo, considéré comme un extrait asexuel par une des internautes. Donc je trouve ça intéressant. Je vais donc aller du côté de Victor Hugo, ici dans Les Misérables, tome 4, chapitre 4, Un cœur sous une pierre. La réduction de l'univers à un seul être. La dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu, voilà l'amour. L'amour, c'est la salutation des anges aux astres. Comme l'âme est triste quand elle est triste par l'amour. Quel vide que l'absence de l'être qui à lui seul remplit le monde. Oh, comme il est vrai que l'être aimé devient Dieu. On comprendrait que Dieu en fût jaloux si le Père de tout n'avait pas évidemment fait la création pour l'âme et l'âme. Pour l'amour. Il suffit d'un sourire entrevu là-bas, sous un chapeau de crêpe blanc à bavolet lilas, pour que l'âme entre dans le palais des rêves. Dieu est derrière tout. Mais tout cache Dieu. Les choses sont noires. Les créatures sont opaques. Aimer un être, c'est le rendre transparent. De certaines pensées sont des prières. Il y a des moments où, quelle que soit l'attitude du corps, l'âme est à genoux. Les amants séparés trompent l'absence par mille choses chimériques qui ont pourtant leur réalité. On les empêche de se voir. Ils ne peuvent s'écrire. Ils trouvent une foule de moyens mystérieux de correspondre. Ils s'envoient le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le rire des enfants, la lumière du soleil, les soupirs du vent. Les rayons des étoiles, toute la création. Et pourquoi non? Toutes les œuvres de Dieu sont faites pour servir l'amour. L'amour est assez puissant pour charger la nature entière de ses messages. Ô printemps, tu es une lettre que je lui écris. L'avenir appartient encore bien plus au cœur qu'aux esprits. Aimer, aimer, aimer. La 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 la. Aimer. Voilà la seule chose qui puisse occuper et emplir l'éternité. À l'infini, il faut l'inépuisable. L'amour participe de l'âme même. Il est de même nature qu'elle. Comme elle, il est étincelle divine. Comme elle, il est incorruptible, indivisible, impérissable. C'est un point de feu qui est en nous. Qui est immortel et infini, que rien ne peut borner et que rien ne peut éteindre. On le sent brûler jusque dans la moelle des eaux et on le voit rayonner jusqu'au fond du ciel. Ô amour, adoration, volupté de deux esprits qui se comprennent, de deux cœurs qui s'échangent, de deux regards qui se pénètrent. Vous me viendrez, n'est-ce pas, bonheur? Au pluriel, promenades à deux dans les solitudes, journées bénies et rayonnantes. J'ai quelquefois rêvé que, de temps en temps, des heures se détachaient de la vie des anges et venaient ici-bas traverser la destinée des hommes. Dieu ne peut rien ajouter au bonheur de ceux qui s'aiment que de leur donner la durée sans fin. Après une vie d'amour, une éternité d'amour, c'est une augmentation en effet, mais accroître en son intensité même la félicité ineffable que l'amour donne à l'âme dès ce monde, c'est impossible, même à Dieu. Dieu, c'est la plénitude du ciel. L'amour, c'est la plénitude de l'homme. Vous regardez une étoile pour deux motifs, parce qu'elle est lumineuse et parce qu'elle est impénétrable. Vous avez auprès de vous un plus doux rayonnement et un plus grand mystère, la femme. Tous. Qui ne nous, tous, qui ne, qui, ah, qui ne nous soyons, ça va pas, ça. Il y a une faute de frappe. Qui ne nous soyons, ça va pas. Donc c'est qui que nous soyons, voilà. Tous, qui que nous soyons, nous avons nos êtres respirables. S'il nous manque, l'air nous manque, nous étouffons. Alors, on meurt. Mourir par manque d'amour, c'est affreux. L'asphyxie de l'âme. Il y a Pauline Tarn qui nous disait, qui nous parlait de cette asphyxie, elle l'appelait « je suis désamé, je suis en manque d'âme ».
Quand l'amour a fondu et mêlé deux êtres dans une unité angélique et sacrée, le secret de la vie est trouvé pour eux. Ils ne sont plus que les deux termes d'une même destinée, ils ne sont plus que les deux ailes d'un même esprit, aimer, planer. Mon enfant, ma sœur, hein, on pense à ça évidemment. Voilà, c'était un petit extrait sur Asexuel Radio, raconté évidemment par Cham.